La digitalisation du point de vente. La digitalisation du point de vente peut être définie comme l'adoption au sein d'un point de vente physique, un magasin, d'applications digitales qui permet d'accroître l'efficacité commerciale et d'optimiser l'expérience client. L'expérience client regroupe l'ensemble des interactions, des échanges entre une marque et un client. Pendant la crise de la COVID-19 et plus particulièrement pendant le confinement, les commerces déjà digitalisés ont été avantagés. Alors que la plupart des magasins ont dû fermer leurs portes, ceux qui disposaient d'un site de e-commerce ont pu continuer à vendre. Les effets de la crise devraient encore intensifier cette digitalisation. Pour autant, les magasins physiques ne sont pas voués à disparaître. Leur avenir passe par une forte complémentarité entre physique et digital. La crise sanitaire a bénéficié au e-commerce. Les ventes en ligne ont augmenté pendant les confinements et cette tendance dure même après la réouverture des magasins. Cela confirme la normalisation de l'achat en ligne chez toutes les catégories de la population. Les services Drive ont eux aussi connu une forte croissance, à tel point que ce service qui était plutôt réservé à des grandes surfaces alimentaires s'est également étendu à des enseignes de grandes surfaces spécialisées. Le click and collect s'est également développé au moment du déconfinement. Comme le drive, cette pratique évite aux clients de devoir chercher des produits dans les rayons. Elle constitue un gain de temps et de sérénité pour le client. La digitalisation ne consiste pas uniquement à commander ou réserver en ligne. Elle gagne du terrain à toutes les étapes de l'expérience client. Pour garder ses distances, le paiement sans contact est parfait. Les banques, d'ailleurs, ont largement suivi en augmentant les plafonds pour ce type de paiement de 30 à 50 euros. À terme, la tendance devrait s'intensifier encore avec le développement du paiement mobile sans contact.